Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soiscool Mec et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitches sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre de gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le menu créatif, donc dans le mode créatif de Fortnite, et ensuite vous allez près d'un pad et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le premier code que je vais vous présenter c'est cette map là, donc le code c'est 4 7 1 8 2 2 5 4 2 8 1 3, et là vous mettez point d'interrogation V égale 54 pour choisir la version 54. Très important, il faut mettre cette version là pour que ça fonctionne, parce que sur les autres versions je ne sais pas si ça fonctionne. Donc quand vous avez mis la version, bah là vous attendez. En attendant vous pouvez liker, partager et commenter la vidéo, et bien entendu vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci à tous ceux qui commentent et qui likent, ça aide pour le référencement, donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc quand la map est prête, ben vous rentrez dedans tout simplement. Et là on vous propose de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle, vous mettez SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, ensuite vous acceptez et comme ça vous aurez mis mon code créateur dans la boutique. Donc merci à tous ceux qui le font, franchement vous êtes les boss. Alors maintenant quand vous avez noté le code créateur, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans le menu lancer le jeu. Et là vous allez aller chercher, moi je vais chercher en tous les cas, des pistolets Chimera. Donc des pistolets laser Chimera, après vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais moi je préfère les prendre. Donc on va laisser tomber mon grappin, voilà, pour pas qu'il me gêne. Hop, on prend les pistolets Chimera, parfait. Je vais prendre 5 stacks de pistolets, comme ça je serai tranquille. Quand ceci est fait, vous allez vers le petit œuf qui est juste devant moi, qui est le mode spectateur tout simplement. Ensuite vous allez construire sur la plaque ici, donc vraiment... Regardez bien, prenez des points de repère, c'est à droite de l'œuf. Et là, vous allez construire 15 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, vous allez construire 2 plats. Donc 1, 2 plats. Ensuite, vous avez vu quand je suis passé, quand j'ai avancé vers le deuxième plat, j'ai mon personnage qui a eu une lueur bleue sur lui. Donc voilà, ça veut dire que vous êtes au bon emplacement. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez sur la deuxième plateforme, vous faites une émote. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous revenez sur la première plateforme, vous faites une émote. Voilà, comme ceci. Et quand vous avez fait les deux émotes, vous allez au fond à gauche et là, vous avez un bouton interagir. Donc vous interagissez avec. Et là, ce que vous allez faire, c'est tirer juste là devant moi. Ou alors, je vais regarder si on peut tirer autre part. On peut tirer là aussi. Là, on peut pas tirer par contre. Là, on peut tirer. Là, on peut pas tirer. Là, on peut pas tirer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ici, ici et ici. Et normalement, ça va me donner des XP. Donc, c'est parti, let's go. Donc, il faut savoir que je suis niveau 203. Il manque 1400 d'XP. Et là, hop, c'est parti, je tire. Donc là, je gagne... 168 XP, 168 XP x 58 x 5012. Ouais, en fait les XP ont complètement changé, donc c'est un peu chelou. Je sais pas trop comment ça fonctionne. 50 kills S4. Alors c'est tout nouveau ça. 50. Alors là, je comprends rien du tout à ce qui se passe avec les XP. Bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Hein. J'étais au niveau 203 si je me trompe pas. On verra bien à combien de niveaux je serai à la fin. Donc là, je vais tirer ici. Pour voir si ça me donne aussi des XP. Ouais, 168 XP, 168 XP. 168 XP, ok. Ok, on va tirer là. Et après, on va s'arrêter. Je suis à 501 000 XP. Non, 50 141. Ouais, je comprends pas trop. Regardez, là, je suis à 501 000. Il était marqué 501 000. 411. Alors je sais pas si ça correspond aux XP, mais c'est très étrange. Donc là je vais arrêter pour voir ce que ça va faire. Normalement en bas à gauche je devrais monter 2 niveaux. Donc aujourd'hui il y a une mise à jour à propos justement de Fortnite. Donc peut-être que cette mise à jour a fait en sorte qu'ils ont changé les XP. Donc là je suis 204. Est-ce que j'étais 204 il y a 2 secondes? Attendez, je vais vérifier. Ouais non, donc j'étais bien 203. Donc là j'ai pris un niveau apparemment. Un niveau. Donc on va continuer à tirer pour voir. Hop, on continue. Ok, là j'ai pris 2 niveaux. En fait les XP sont... En fait ils ne s'affichent plus comme d'habitude. Donc ça c'est un peu dommage. Mais on peut voir que je gagne vraiment beaucoup d'XP. Donc j'ai pris... j'étais niveau 203, là je suis 205. Donc j'ai pris 1,5 niveau en très peu de temps. Donc vous voyez bien que le glitch est très rentable. Par contre en question d'XP, je ne peux pas vous dire combien d'XP j'ai pris. J'ai sûrement pris, voilà, vous pouvez voir que là pour passer niveau 206, il me faut 75 000 XP. Donc j'ai pris, allez, 100 000 XP en quelques secondes. Donc ce qui est bien, c'est que je peux encore en continuer à prendre des XP. Donc là je suis à 62 000, donc je continue à tirer pour voir. Je suis à 60 000, donc j'ai pris 2000 XP rien qu'en tirant là. Ici... Je vais voir en combien d'XP en un chargeur j'ai pris. Voilà, j'ai pris 4000 XP. Là, je vais tirer pour voir combien d'XP. Ah, j'ai pris carrément 10 000 XP en tirant ici. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est soit de tirer en illimité ici. Vous mettez un élastique, hein, comme ça, vous faites des XP sans rien faire. Vous mettez un élastique, ça tire en illimité sur cette plateforme. Vous regardez la plateforme, le côté qui vous rapporte le plus d'XP. Et vous mettez un élastique, comme ça, ça tire en illimité. Vous gagnez des XP en illimité. Donc là, je vais vous présenter le deuxième glitch que je voulais vous présenter. Donc, retour à l'accueil. Donc, vous voyez, l'XP continue. Donc, les glitches d'XP continuent encore depuis la nouvelle mise à jour. Donc, voilà, on en profite. Hein. Enfin, moi, j'en profite. Après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous incite pas à faire les glitchs. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Après, il n'y a pas de ban. Fortnite a annoncé qu'il n'y aurait pas de ban. Donc, voilà. Enfin, bref. Ici, sur, sur le pad, vous allez noter le code que je vais vous dire donc pour le deuxième glitch. Donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Là vous mettez point d'interrogation V égale 81. Donc mettez bien la même version que moi pour que ça fonctionne. Donc là vous acceptez, vous validez. Et voilà, vous attendez que la map charge. Donc je disais que Fortnite ont tweeté à une réponse d'un Français qui posait la question justement si on pouvait être ban en profitant des glitches d'XP. Là, le responsable, un des responsables qui travaille chez Fortnite, soit il s'est trompé ou soit c'est vrai ce qu'il dit. Mais moi je pense que c'est vrai, je suis plus dans l'optique que c'est vrai. Et le responsable, il a répondu que non, on peut pas se faire ban par Fortnite en profitant d'un glitch. Parce que tout simplement, voilà, on n'utilise pas un hack, ce n'est pas un logiciel tierce, on n'utilise pas, c'est pas du hacking, c'est une faille. Certes, il est marqué dans les règlements qu'on ne doit pas profiter et faire la promotion des glitchs et des failles, mais bon, apparemment, ils ont dit qu'ils ne banniraient personne, voire les créateurs. Voilà, s'ils bannent quelqu'un, je pense que ce serait nous, les créateurs. Donc voilà. Donc là, quand l'île est chargée, ben, vous rentrez dedans, tout simplement. Là, ils vont vous proposer de soutenir un créateur. Bah, si vous voulez me soutenir, vous mettez le code créateur SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite, vous acceptez et là, vous lancez la partie. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire de mettre mon code créateur. Mais si vous le mettez, bah, franchement, vous êtes les boss et merci de le faire. Merci de le mettre, voilà, tout simplement. Alors ensuite, quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est, vous voyez ici, il y a le code créateur. Hop, vous allez vous diriger vers cette arme qui est je ne sais plus, c'est le fusil à pompe primitif de l'assassin de la flèche. Ensuite, vous allez noter, vous allez créer 2 plats, voilà, 2 sols comme ceci. Ensuite, sur la gauche, vous allez créer 1, 2, 3, 4 et 5 rampes. Ensuite, vous créez un plat. Donc ensuite, je pense que c'est vers la droite. Je ne suis plus sûr, donc je vais vérifier. Non, ouais, c'est bon, ça doit être vers la droite. Ensuite, vers la droite, vous recréez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rampes là cette fois-ci et vous créez un plat. Donc si j'ai bien compris, ouais c'est bon, j'ai bien fait le truc, je me suis pas trompé, donc c'est bien 2 plats, 5 rampes, un plat, 10 rampes, un plat. Et là regardez, il y a un petit bouton d'interaction. Donc on va appuyer sur le bouton d'interaction, voilà, on appuie plusieurs fois, hop. Et ensuite ici, normalement il devrait y avoir des boutons interagir. Oui, effectivement il y a bien des boutons interagir, donc hop, on va interagir avec les boutons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 boutons. Donc on va interagir avec tous les boutons. Donc on regarde combien de niveau je suis. Je suis niveau 205, 37 000 XP. On va voir combien de XP va me rapporter cette map. Donc c'est parti, j'appuie, je spam, je spam, je spam. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Je spam plusieurs fois. Là on va regarder combien d'XP j'ai pris. J'étais 205, je suis 206. Donc j'ai pris plus ou moins 40, 50 000 XP en quelques secondes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je vais... je vais spammer ce bouton pour voir combien d'XP ça me rapporte. Donc je suis à 68 400. Hop, j'appuie une fois. Je suis à 64 800. Je réappuie. J'ai réappuyé. Ah, ça me donne plus d'XP. On va essayer un deuxième. Donc 64 000. Non, ça me donne rien. On va essayer celui-là. 64 700 toujours. Ok, on va essayer celui-là. Ah, 64 700. Celui-là, il m'a donné 5000 XP. Je suis à 59 000. J'étais à 64 000. Il m'a donné 5000 XP. Donc, je rappuie dessus pour voir. Non, ça ne me le donne plus. On va utiliser celui-là. Hop. 60... Ah, bah là, je suis à 56 000. J'étais à 59 000. Donc, celui-là m'a donné 4000 XP. On rappuie dessus. Il ne me donne plus. Donc, voilà. En fait, ce qu'il faut, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement faire ça. Gauche, droite et appuyer sur carré, 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 carré jusqu'à temps que ça vous donne des XP. Donc là, j'ai l'impression que ça n'en donne plus. Donc si ça n'en donne plus, ce que vous faites, c'est que vous retournez à l'accueil, hop, et vous retournez dans la map et vous faites ça en illimité. À chaque fois, vous recommencez le glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soiscool Mec et ciao. Peace.